Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Ceux qui regardent Frédéric Delavier sur Internet comprendront la petite allusion. Mais on va essayer de faire une vidéo un peu mieux préparée qu'il ne l'ait fait lui, même si, bref, ce mec est une inconnue pour moi. Il est fabuleusement fabuleux, il est incroyable, il connaît une quantité de choses fabuleuses. Je sais pas quoi te dire de plus. C'est une base de données sur pattes. Mais merde, Frédéric, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je sais pas pourquoi tu tomberais dessus, mais... S'il te plaît, prépare tes vidéos. Prépare-les un minimum. Bah, s'il te plaît, s'il te plaît. Cherchez Frédéric Delavier sur YouTube et essayez de tenir une minute. Hein. Petite vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de ce que j'utilise comme agrégateur de liens RSS et c'est surtout d'où je sors toutes les informations que je trouve sur la toile, etc. Quels sont les liens, les sites sur lesquels je suis abonné? C'est une question qui m'a été posée par un membre du forum privé, du Slack privé, un membre VIP donc de Locan.fr. Dans le dernier podcast XXL, celui de la semaine dernière, quels sont les différents sites que je consulte pour avoir des informations. Alors c'est très simple, chez moi c'est regroupé en plusieurs catégories, Apple, Companies, donc c'est les blogs de sociétés, etc. Dev, Ether, c'est un peu tout n'importe quoi, Geek, Santé et Photo. Donc, dans la partie Apple, j'ai 9to5Mac, je les passe vite et vous, à vous de vous débrouiller à taper sur Google. 9to5Mac, Apple Insider, Cult of Mac, iMore, MacRumors, et j'avais Retina Boys, mais qui ne sert à rien. Dans Companies, j'ai AgileBits Blog, c'est ceux qui font 1Password, j'ai App.net, qui est une tentative de concurrent à Twitter, Backblaze Blog, le blog de, ça je sais même pas qui c'est, Infuse, j'ai ReadCycles, j'ai le blog JDOM, j'ai Capitaine Train, j'ai Code Academy, Dark Sky, Day One, Dropbox, ça je sais pas ce que c'est, pareil, les mecs qui mettent pas leur titre dans le RSS, le blog Flickr, Google Chrome Blog, IFTTT, John Saddington, S-A-2-D-I-N-G-T-O-N, je sais même pas ce que c'est, Monsieur Pignon, Madame Guidon, N26, Nebia, c'était une douche connectée, une douche qui fait faire des économies d'eau. Le blog de Panic, qui font Coda, Transmit, etc. D'ailleurs, les gars, c'est quand vous voulez que vous mettez à jour Transmit. Le blog Quadlock, évidemment, Rafa, Raspberry Pi, le blog ResearchKit.org, Roost, qui n'a plus rien posté depuis longtemps, Runkeeper, Skylock, Strava Engineering, The Jawbone Blog, The Weather and Environment Blog. Qu'est-ce que c'est ce machin? Pareil, ça fait une chier qu'ils ont rien posté. Vimeo Staff Blog et le Waze Blog qui n'existe plus non plus. Dans la catégorie Dev, il y a deux trucs. Il y a Mobify et Google Developer. Je peux le dégager en fait, ce truc. Dev, il me sert à rien. Je ferai du ménage après cette vidéo. J'aurais dû le faire avant, mais... dans Ether, j'ai D-World, pareil, qui ne poste plus rien. Des yeux de bitch. J'aimais tellement ce blog, quoi. C'était une fille qui faisait des petits crocs, etc. Orienté Q, et mais c'était bien dessiné, c'était fabuleusement fabuleux. Franchement, je suis tellement triste que ce blog se soit arrêté parce que j'étais trop trop fan, quoi. Un très rare site, très rare site pour lequel j'aurais payé pour le voir tous les mois. Des yeux de bitch donc. Le ticket de métro d'Ovidie, pareil, ça fait un moment qu'elle a plus rien posté. My Morning Routine, très fan, et il y aura un article qui est prévu sur mes routines matinales, ce que je fais tous les matins, etc. ou ce que je fais quotidiennement, tous les jours, ce que j'essaye de faire. Ça je sais pas ce que c'est, pareil. Le Saint-Aden de Grégory Mignard, parce qu'il met des jolies photos. Sex Actu, pareil, ça fait une plombe qu'elle a rien posté. Et c'est tout, putain, faut que je fasse du ménage. Dans la catégorie Geek, j'ai trouvé Electrek, qui est la division électrique de 9to5Mac, qui est donc un site qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est véhicule électrique, batterie, blablabla. Donc ça parle beaucoup de Tesla, vous vous en doutez. Le Framablog, Geek & Poc, iFixit, Corben, le Rayon UX, les Joies du Sysadmin, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien posté aussi, c'était con. Les numériques, Locan.jp évidemment pour checker que tout fonctionne bien. Maison et domotique, Minimal et Minimal, Numerama.com, Recode, SEO Knowledge Base, Siri et moi, pareil, ça c'est vieux, c'est dommage. Smashing Magazine Feed, Standblog, The Hacker News, The Verge, évidemment, et Univers Prebox. En santé, j'ai Bikes and Stuff, avec un N et pas AND, Bikes and Stuff, DC Rainmaker, Fit Girl Code, Greatest RSS, Mange tes légumes, Nakam.ch, N-A-K-N.ch, Self, très bon site à suivre, surtout pour les filles. Si vous avez une copine à côté de vous ou si vous êtes une fille, Self est pour vous. Stay Fit Universe. Alors ça, je crois que c'est des gonzesses qui font de la muscu, etc. Donc c'est des photos de filles taillées, ultra motivant.
Strava, Strava Post en exposure, je sais pas ce que c'est, Under Armour et MyFitnessPal. Ça marche. Et dans photo, j'ai... Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs bizarres là au milieu? Si, un, mais il passe. Astuce photo, Camera Lens Blog, Face to Face, Feeds Portal, Flickr Blog, qui était déjà dans l'autre, GoPro HD, Camera Axe, Astuce, ça fait un moment qu'ils ont rien posté, Interface Lift. Interface Lift, c'est là d'où je sors mon fond d'écran. D'où je sors de beaucoup fond d'écran. Joseph Melin, je sais pas, il y a des trucs, les mecs, ils ont rien posté depuis une plombe. C'est la magie du flux RSS en fait, tu peux être abonné à 15 000 trucs, ben, si, ben, ça prend pas de place quoi. Et peut-être qu'un jour le mec reviendra poster et, hey salut, tu es revenu sur le site. Le Lindbergh Los Angeles Automotive, je sais même pas ce que c'est. Making the Moment Photography, c'est des photos de mariage et très inspirant, c'est jolie photo en fait. À une époque où je voulais faire de la photo un peu sérieusement, c'était inspirant. Je l'ai gardé parce qu'ils en postent de temps en temps. Mes voisins baisent, j'étais très fan de ce site web, c'était énorme. Métro Boulot Photo, Minimums avec un S, je sais pas ce que c'est. Alpha News peut-être, je vois le logo AN. Et Nicolas Bernard, ah putain c'est pas fini. Nicolas Bernard, Sony Alpha Next Camera, gnagnagna. Sony Alpha Labs.com, Sony Alpha Rumors. Si vous avez un appareil photo Sony ou que vous êtes intéressé par les appareils photo Sony, Sony Alpha Rumors. Steve F Photo, le flux Flickr de Rafa, la marque de vélo. Et les vidéos de Rafa. Et c'est tout, grosso merdo, ce que j'ai, enfin c'est tout, ça fait beaucoup déjà. C'est tout ce que j'ai comme flux. Il faut que je fasse du ménage, comme je viens de vous le dire. Je vous ai tout jeté là, il y en a peut-être plus que ce qui est nécessaire. Peut-être que du coup, comme ça, en cherchant dans Google, vous trouverez des trucs connexes et liés à des flux qui sont plus alimentés, comme je viens de le dire dans la vidéo. Du coup, ça vous permettra peut-être de trouver autre chose. L'idée, c'est que vous alliez dans Google, vous tapez des recherches, ou DuckDuckGo, encore mieux, hein. Vous recherchez les sites que je viens de vous dire et vous tombez peut-être sur une mise à jour du site que moi j'ai pas enregistré en RSS, mais bref. Et ça c'est pas mal. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et passez une bonne journée. Ciao ciao. Enfin une bonne soirée du coup en l'occurrence.